Nombreux sont les hôteliers ukrainiens qui ont été accusés de profiter de l'euro pour faire exploser leurs tarifs. Mais ce constat semble épargner la restauration, même si le prix de la bière est tout de même plus élevé dans l'enceinte des stades. On reste encore loin toutefois des standards européens. Pour un Ukrainien, payer 50 centimes pour une petite bouteille d'eau, c'est ridicule. La meilleure chose est d'aller dans un supermarché, mais la sécurité vous empêche de rentrer avec de l'eau ou de la bière. Moi, je trouve les prix parfaits, ça aide à passer un bon moment ici. De tels prix, ça améliore le goût. Et la joie de ce supporter suédois est compréhensible. Le prix de la bière dans les zones de supporters reste 2 à 3 fois moins cher que dans son pays. Les prix n'ont pas changé du tout dans les supermarchés ou les restaurants, explique cet expert. Mais dans les zones réservées aux fans et à l'intérieur des stades, la bière est vraiment beaucoup plus chère. Ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 euros au lieu des 40 centimes habituels. Quant aux restaurateurs du centre de Kiev, ils assurent de leur côté avoir saisi l'occasion de l'euro pour pratiquer une baisse générale de leurs prix, exception faite des alcools forts.